Mes frères guinéens et mes frères de membres de IFDZ, de militants et sympathisants de IFDZ, je vais m'adresser à vous, particulièrement, en généralement à tous les peuples guinéens. Ceux qui pensent qu'ils sont aussi ennemis de IFDZ, loin d'être là-bas. Je ne suis pas ennemi de IFDZ. Monsieur Messi Bari, voilà. Tu es venu, comme tu m'as attaqué, il n'y a pas de problème. Monsieur Messi Bari de Suisse, j'ai écouté ton vidéo, il n'y a pas de problème, il faut rire. Il faut rigoler, il n'y a pas de problème, monsieur Messi Bari. Vous serez la bienvenue sur ma passe, défaut de Diakité. Donc, ceux qui pensent Fodé est ennemi de IFDZ, loin d'être là-bas. Ça, c'est premier. Pour à clarification, moi, Fodé, je n'ai jamais été des militants ni sympathisants. Je n'ai jamais été des militants de IFDZ. Je n'ai jamais participé d'un congrès de IFDZ. Si les gens vont dire que je suis militant de IFDZ, je n'ai jamais été militant de IFDZ. C'est pour une clarification, premièrement. Mais moi, Fodé Diakité, j'ai contribué à IFDZ le 2010. J'ai contribué à l'UFDZ. Et comme M. Messe Bari a dit qu'ils sont aussi des Sidia, M. Messe Bari venu insulter des Sidia et insulter ma personne, c'est insulter certains cadres de Diakité. Je ne rentre pas. Les musiques que vous voulez que moi, faut les aider danser, je ne peux pas danser ces musiques-là. Loin d'être là-bas. Mais c'est moi, faut de Diakité qui a dit. Vous, les communautés peuples, la fois passée, je suis avec faut de Abbas Bangoura. Fode Abbas Bangoura, c'est un vrai soussou. 100% soussou. Ce n'est pas un soussou photocopié. J'étais avec M. Malik Camara, États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas un photocopié de soussou. J'ai beaucoup d'amis de soussou. Ma femme, la maman biologique de ma femme, est de soussou. La biologique de ma femme, sa maman biologique est soussou. La voix passée ici, attaquer ici la communauté Soussou. Mais aucune Soussou est venue de s'attaquer avec ma personne. Je dis que le Soussou n'a qu'à laisser les prendre un sac de riz et 50 000 francs guinéens. Je dis qu'ils n'ont qu'à abandonner pour manipuler. Parce que cette manipulation prend un sac de riz et 50 000 francs guinéens ou bien 250 000 francs guinéens. Mais. Le Soussou, la communauté Soussou, aucune Soussou est venue de s'attaquer avec ma personne. Maintenant, pourquoi vous, les communautés IFDZ, certaines communautés, certains peuples fanatiques, pourquoi vous allez s'attaquer à moi? C'est moi qui ai dit, je dis que vous, vous êtes trahisonnaires. C'est pour le Yahweh, c'est moi, Fode Diakité, qui a dit. C'est moi, Fode Diakité, qui a dit, je dis que certains peuples en Guinée sont des traîtres. Je dis que c'est l'Oudalé est traître. C'est Fode Diakité qui a dit. Je vais répéter encore. Je vais vous expliquer en connaissance de cause. Quand quelqu'un a dit quelque chose, il faut lui poser des questions. Pourquoi tu as dit ça? Vous devrez poser des questions à ma personne. Monsieur, je ne suis pas Mandian Sidibé, je suis Fode Diakité. Mandian Sidibé, c'est un grand frère à moi. Monsieur Diakité, Monsieur Sissé. Je dis que certains peuls et traîtres, c'est l'Oudalé et traîtres, c'est Fode Diakité qui a dit. C'est l'Oudalé a trahi la Guinée, c'est un traître. C'est l'Oudalé ne sera jamais président en Guinée. Que ça soit clair pour tout le monde. Pourquoi je dis que. Et plus encore, la communauté peut, certains peuples sont des maudits. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tranquillement. La communauté peut, ce n'est pas tout le monde. C'est certaines personnes qui sont maudites. Ce n'est pas tous les peuples. Je vais vous expliquer très bien. Moi, faut déjà quitter. Nous, on cherche l'argent. Quand nous cherchons l'argent, quand tu as de l'argent, cela veut dire l'argent, à quoi servir l'argent? Quelle est l'importance d'avoir de l'argent? Quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans les difficultés, pour que cet argent-là
va te servir pour te sauver cette difficulté. Si tu es sur le sol, cet argent là-bas te fait quitter dans le sol, amener dans un endroit là où il n'y a pas de soleil. Si tu as de l'argent, si tu es dans, avec le trou de saut, comme l'endroit là où il fait chaud, cet argent là va te amener dans l'endroit là où il y a des climatiseurs. C'est la, l'importance de l'argent. Personne va emporter l'argent avec toi à, au l'au-delà. Quand nous sommes morts ici, là, tout l'argent que nous gagnons, c'est ici. C'est pas au l'au-delà. Maintenant, chaque fois, chaque moment, j'ai écouté certains peuples vous dire, c'est vous qui êtes le majoritaire en Guinée, que vous êtes 42% en Guinée. Voilà. Maintenant, le peuple qui est 42% en Guinée, à quoi servit la communauté peuple, alors que c'est vous qui êtes plus détesté dans notre pays? Ça, c'est un. Malgré faut des amis plus grands amis, même si je bis, même si c'est bi, cette bouteille de bière, même si je suis sous, ou bien je suis, je prends de quoi, je ne peux pas détester une seule communauté peuple. Une seule personne, je ne peux pas le détester. Je ne suis pas ni plus ni moins qu'aucune personne. Mais aujourd'hui, depuis le premier républicain, depuis le temps du colonialisme jusqu'à le premier républicain de la Guinée, la communauté plus détestée en Guinée, c'est la communauté peul. Si vous voulez écouter, c'est la vérité. Si vous ne voulez pas écouter, c'est la vérité. Ça va vous faire mal. C'est la même chose que ce qui me fait mal à moi, Fode Diakité. Peut-être vous allez me comprendre. Peut-être vous ne pouvez pas me comprendre. Mais je veux que vous analysez ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit avec dans la haine. Je n'ai pas dit avec la méchanceté. Je n'ai pas dit parce que je vous déteste. Non. Je n'ai pas détesté. J'ai du respect à votre personne. Moi, Fode Diakité. J'ai beaucoup de respect parce que je suis grandi avec la communauté peul. Il y a ma famille communauté peul. Demain, je vais me marier avec une femme peul encore. C'est possible. Une femme peul peut me donner les enfants. Demain, c'est l'enfant qui va faire, hériter à ma personne. Je ne peux pas détester jamais à une communauté peul. Mais la communauté plus détestée en Guinée, c'est la communauté peul. Je vais vous expliquer. Maintenant, si c'est la étude, il y a beaucoup d'intellectuels au sein de la communauté peul. L'étude, vous êtes intellectuel. Vous avez des niveaux d'étude. Vous êtes bien instruit. Mais cela n'a servi rien. Ça n'a pas servi à vous, les communautés peul. Parce que votre intellectualité, tu vas être instruit pour qu'on te respecte. Tu vas être instruit pour qu'on te donne les valeurs. Tu vas être instruit pour que tu vas, parce que Dieu a dit dans le Coran le Karim, que si tu veux vivre bien, si tu voulais vivre en paix, vivre bien, il faut étudier. Ici dans le monde. Si tu voulais Al-Dunia, il faut étudier. Si tu voulais Al-Yom Al-Khiyamat, il faut étudier. Si tu voulais le deux, tu voulais le Dunia et le Yom Al-Khiyamat, il faut étudier. Vous, les communautés peul, vous avez des études. Vous avez bien étudié. Mais cela n'a pas servi. Bien, cela n'a pas importance pour vous, les communautés peul. Vous m'excusez, si ça vous blesse, si ça vous fait mal, je suis désolé. Mais je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Peut-être jamais plus grand amis, peut-être aucune personne va être en face de vous parler ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Mais vous allez comprendre, Fode n'a pas ennemi des communautés peul. Jamais plus grand amis. Je ne serai jamais ennemi d'une communauté peul. Si c'est l'argent, quand tu donnes un petit table aujourd'hui à un peul, ou bien tu donnes les bouillettes, Demain, il faut aller visiter. Tu vas trouver que il est devenu un grand boutique. Donc, vous savez que comment vous pouvez faire
économie pour grandir. Mais cela n'a rien servi à vous. Maintenant, si la majorité vous dit que c'est vous les 42% de la Guinée, la majorité là, ça n'a rien servi à vous. Parce que vous êtes plus détesté en Guinée. Je ne sais pas pourquoi. Vous devrez chercher, analyser les fonds en compte. Pourquoi vous êtes détesté? Parce que ce n'est pas normal. Quand nous regardons le temps de Sékou Touré, le pouvoir de M. Ahmed Sékou Touré, il n'y a pas plus personne qui déteste plus que la communauté peul. Il n'y a pas de personne qui est souverain. Toutes les ethnies sont souverain. Toutes les ethnies ont subi des douleurs. Mais la communauté peul est plus pire encore. Le temps de Ahmed Sékou Touré. Pourquoi? Le temps de l'Ansana Conté a venu, il vous avait donné beaucoup d'opportunités. L'Ansana Conté a donné beaucoup de points et stratégies, la communauté peul. Aujourd'hui, vous détestez, certaines personnes sabotaient le Soussou, certaines personnes détestaient le Soussou, c'est pas tous les peuls. Mais l'Ansana Conté a donné toutes les portes et stratégies à la communauté peul. L'Ansana Conté a donné les marchés à la communauté peul. Vous avez gagné l'argent. Maintenant, après le décès de l'Ansana Conté, en ce moment, il y a beaucoup de communautés peul qui étaient dans les fonctions publiques. Il y a beaucoup de communautés peul qui sont dans les postes de stratégie. Il y a beaucoup de communautés peul qui sont qui a de l'argent, qui fait le grand commerce. Conteneur de conteneur. Maintenant, après l'Ansana Conté, Alpha Condé est venu, c'est vous qui êtes plus détesté encore. Donc cela, c'est quoi? Est-ce que c'est une bénédiction ou bien c'est une malédiction? Et pourquoi ça? Vous devrez faire cette analyse. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Vous pouvez me voir aujourd'hui. Vous dites que Fodé, c'est un imbécile. Fodé, c'est un fou guéri. Fodé, il n'a pas la même faculté morale. Mais loin d'être là-bas. Loin d'être là-bas. Maintenant, quand je dis aujourd'hui que Sélou ne sera jamais président, Sélou, c'est un président dans la maison. Sélou, c'est un président dans la maison de Dixin ou bien président de IFDC, tout court. Ce n'est pas un président de la République. Il ne sera jamais président de la République. Parce que Sélou n'a pas cette mérite d'être président de la République. Sélou n'a pas cette charismatique. Sélou n'a pas cette charismatique pour être président de la République. Parce que sinon, ça trouvera qu'aujourd'hui, il est à la tête. Sélou n'a pas cette courage d'être président de la République. Donc, Sélou, on doit aider Sélou dans le dialogue, être premier imam des grandes mosquées de Faisal. On va aller faire des campagnes entre Aladji Sélou Dalé Diallo et Eladji Mamar Saliou Camara. Celui qui a gagné, lui, va être président et premier imam des grandes mosquées de Faisal. Votre l'argent que vous avez gagné, ça n'a pas vous sauvé de la souffrance. L'argent que vous avez gagné, l'argent que vous avez, pendant tout ce temps-là, l'argent que vous avez gagné, la communauté peul, ça n'a pas vous protégé, ça n'a pas vous fait quitter dans les souffrances. Les études que vous avez faites, votre intellectualité, votre étude, ça n'a pas vous servi, ça n'a pas vous servi de grand chose pour que vous allez quitter dans les souffrances ou bien vous allez, ça va vous donner les valeurs. Ça n'a pas fait encore. Maintenant, sinon, ça trouvera qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire pourquoi, vous ne pouvez pas poser des questions. Pourquoi on humilie la communauté peul? Pourquoi? Parce que s'il y a des tueries, c'est la communauté peul premièrement qui ont tué. Vous pouvez prendre une autre stratégie pour mettre fin à ça. Vous n'avez pas pris aucune stratégie pour mettre fin à ça. Cette tuerie à la communauté peul.
Vous n'avez pas pris aucune mesure, vous, malgré votre intellectualité, malgré votre étude, malgré votre argent, malgré vous êtes nombreux, mais vous n'avez pas pris les mesures pour mettre à fin la humiliation qui passe la communauté peuple aujourd'hui. Et avant, ça a été passé, aujourd'hui aussi, ça est en train de passer. Donc, raison pour laquelle je vous condamne, certains, votre action, je condamne. C'est pas venir, mais le gros parole, être extrémiste, être quelqu'un, parce qu'on va insulter, parce qu'on va, la tête, l'étude a servi pour avoir une intellectualité. Quand tu es intellectuel, la tête, un intellectuel, quelle est l'importance de l'intellectualité? Tu dois prendre la réflexion, analyser et prendre une mesure opportune pour mettre certains points sur la U. Mais vous n'avez pas fait ça. Appelez au téléphone. Donc, raison pour laquelle, si la popularité peut gouverner quelqu'un, si la popularité peut gouverner à un président, ou bien elle peut gouverner quelqu'un, ça trouvera qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas poser des questions, pourquoi celle ne sera pas président. Pourquoi? Parce qu'on détestait de celle-là, parce qu'il est pire. Cela veut dire que la popularité n'a pas vous servi. Vous allez m'excuser, hein? Si ça vous fait mal, je suis désolé. C'est pas venir pour vous, parce que avec impolitesse, parce que je suis impoli, pour venir de vous manquer de respect. Non. Comme il dit au full bébé, on a mis gagné full bébé. Que ça soit clair pour tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez dire, vous ne comprenez pas. 2010, même les mendiants, moi, il faut déjà payer 8000 euros dans mon propre poste pour que celle soit président. Moi, il faut déjà quitter. Il y a des vidéos. 8000 euros. Je ne suis pas militant de IFDC. Je n'ai jamais été militant de IFDC. Je paye 8000 euros dans mon poste. Si c'est détesté de payer, celle d'aller et payer, je ne peux pas contribuer pour qu'elle soit président. Tout le monde, tous les gens qui sont en Espagne, c'est ça. En 2010. Ici, il n'y a pas personne qui a contribué. Il n'y a pas personne qui a cotisé plus que moi pour que celle soit président. Ici, en Espagne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même votre fédéral qui est là, le travail que je fais pour IFDC, lui n'a pas fait pour IFDC. Moi, il faut dire que vous me voyez ici en face de vous. Vous pouvez consulter. C'est, moi, je suis prêt. Si c'est dit quelque chose qui est faux, vous pouvez démentir. C'est facile. Quand je parle, si c'est faux, c'est facile à démentir. C'est facile. Vous pouvez me démentir faux de ce qui vous dit, c'est faux. Si c'est faux, venez à démentir. Il y a tous les militants et sympathisants IFDZ. Vous pouvez venir. Vous avez plein de droits de venir de me démentir. Si vous voulez, vous pleurez. Si vous voulez, vous pouvez rigoler avec moi. Si vous voulez, on va continuer notre amitié. Si vous voulez, vous allez couper des relations avec ma personne. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne couperai jamais des relations avec vous. Moi, il faut déjà quitter aussi votre frère. Je ne couperai jamais des relations avec vous. Mais si vous voulez, vous coupez des relations avec moi. Il n'y a pas de souci, je suis prêt. Il n'y a pas de souci pour ça. Mes frères, la communauté Peul, ou bien la communauté IFDC, parce que c'est vous qui transformez. IFDC, c'est un parti national. Ce n'est pas un parti communautarisme. Mais vous transformez IFDC comme un parti communautarisme. Ce n'est pas ça qui est normal. Monsieur, je vais vous donner le numéro. Vous allez m'appeler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attends, après vous allez intervenir. Si vous avez des questions de poser à ma personne, je suis prêt à répondre n'importe quelle question. Il n'y a pas de problème. Monsieur Barry, merci Barry. Il y a mon numéro ici. Il faut prendre le numéro. Vous m'appelez après. Je vais vous donner le numéro. Maintenant,
Même les mendiants, ceux qui demandent, les mendiants, ceux qui demandent l'argent, ils sont contribués pour que seul soit président. Mais cela n'a pas servi. Tu vas supporter quelqu'un qui a une courasse. Il ne faut pas supporter quelqu'un. C'est à Bambi. C'est Kouwaluda, Mouala Soudou. Mouwaluda, Mouwaluda. Kousakitoron Kouwala Kayasi. Quelqu'un qui n'a pas la détermination d'être président, tu vas le supporter. Mais finalement, il ne peut pas arriver là où il doit arriver. Celui-là, Dieu n'a pas créé celui-là dans le dialogue pour qu'il soit président de la République. Parce que sinon, ça trouvera que même le mendiant ne peut pas contribuer pour qu'il soit président. Après, il n'a pas été président. Si c'est être quelqu'un que tout le monde va l'aimer, il y a des foules derrière de lui. Il y a des gens, tout le monde applaudissait. Celui-là, tout le monde applaudissait. Mais cela n'a pas, ça n'a rien à servir, c'est le dernier. Ça n'a rien servi. Il a fait 30 ans dans l'administration, plus de 30 ans, mais ça n'a rien servi à celui le dernier. Maintenant, ce qui me dit maintenant, que ceci de Sidia, c'est votre opinion. Sidia, c'est un citoyen guinéen. Si c'est le supporter Sidia, j'ai plein de droits de supporter Sidia. N'importe quel parti que je supportais en Guinée, j'ai plein de droits de supporter. Donc, j'ai des livres de pensée, j'ai toute la liberté de prendre des décisions, ce que je veux, c'est ma conviction. Mais, si ça ne supportait pas, s'il y a aussi, c'est mon problème. Comme M. Bari aujourd'hui, M. Bari qui me regarde là, qui est là, aujourd'hui, il est venu de m'attaquer. Il dit que je suis UFR, que c'est Sidia qui me pousse. Jamais. Tu as fait une diffamation de cratère contre, à l'égard de M. Sidia Touré. Vous devrez demander pardon à M. Sidia Touré. Sidia m'a jamais dit, faut faire les vidéos. Sidia m'a jamais dit, il faut dire ça. Non. J'étais le premier responsable de l'UFR ici en Espagne. Je suis le bureau fédéral de l'UFR ici en Espagne. Tout le monde sait, c'est pas cassé. Faudé n'a pas cassé ça. Ça a été public. Ça a été publié. Vous dites que je cassais de derrière Sidia. C'est moi qui a publié, je dis que je suis le bureau fédéral de l'UFR en Espagne. Après, c'est moi qui a publié. C'est moi qui a contacté les gens de IFDZ, c'est moi qui a contacté les gens de RPC Arc-en-Ciel en tant que bureau fédéral de l'UFR en Espagne. 2010, Sidia m'a appelé, il dit qu'il faut une alliance entre IFDZ et l'UFR, il faut le supporter, je l'ai supporté. Mais ça a été pas perturber monsieur Bari. Je vais vous donner le numéro, après vous allez m'appeler. Il ne faut pas me perturber maintenant là. Vous insultez Sidia. 2010, dès que Sidia est devenu comme deuxième, c'est le venu 42%, Sidia est deuxième, Alpha Condé est venu comme troisième. Le moment que ils ont éliminé la candidature de Sidia, comme que Alpha Condé et Seluda vont aller à deuxième tour, alors que comment qu'un troisième va aller à deuxième tour? Dès que IFR, le femme, bras femme, les gens, les militants de l'UFR déterminés qui sont organisés une manifestation pour contester qu'ils n'ont pas d'accord pour éliminer la candidature de Sidia Touré. Vous, les IFDC, qu'est-ce que vous avez dit? Que c'est le gens de maudit. C'est la femme portutier. Vous allez m'excuser des mots, des langages, mais c'est ça que le militant. Les membres de IFDC, c'est ça qu'ils ont dit, que c'est le femme pour soutien qui sont en train de manifester pour Sidia Touré, pour que Sidia gagne et revienne comme deuxième personnalité pour aller deuxième tour. Parce que vous pensez que si vous partez avec Sidia, Sidia va vous battre. La raison pour laquelle vous pensez que comme vous avez gagné 42%, que vous allez partir avec Alpha Condé, que vous allez le gagner. C'est ça que vous avez dit. Les militants, les femmes de l'UFR,
Vous avez dit qu'ils sont des prostituées qui sont en train de faire une manifestation. Vous avez croire que vous allez rapporter l'élection. Malgré votre langage, malgré le mossard que vous avez tenu à l'égard de l'UFR, Sidia a fait alliance avec Seloudal Diallo. Si Sidia était la même passée, si la même personne comme Selou, il ne peut pas faire alliance avec Seloudal Diallo. Mais Sidia n'a pas regardé ça. Il a fait l'alliance avec Selou. Ils sont partis deuxième tour. Mais ce que vous croyez, comme vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas de savoir, ils sont étrennés jusqu'à 6 mois après pour faire le deuxième tour. Ils ont éliminé complètement les machines, ils ont neutralisé le système qui était dans les machines. Ils ont mis à zéro, compteur à zéro. Après, c'est là-bas que vous avez perdu. Vous avez perdu, vous ne comprenez même pas comment vous avez perdu. Depuis le jour là, jusqu'à chaque jour, vous parlez, vous perdez. Chaque jour, vous partez, vous perdez. Vous avez de l'argent, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous n'avez pas de stratégie. Donc, maintenant, tout dernièrement, c'est le vent de se flaquer devant tout le monde. Il va dire, portez-y ma victoire. Quelle victoire? Lui-même, il a contesté. Il dit qu'il ne peut pas aller à l'élection législative. Lui-même, il a contesté. Il dit qu'il n'a pas d'accord pour le référendum là. Parce que je ne parle pas de l'élection communale. Je ne parle pas de l'élection communale et communautaire. Je ne parle pas de l'élection 2015. Je parle tout dernièrement de l'élection là. Maintenant, parce que je vais prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Je ne voulais pas prendre de temps. Si vous pensez que Selou va être président de la Guinée, détrompez-vous. Selou ne sera jamais président en Guinée. Je n'ai pas dit un peu pour ne pas être président. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas cette bouse-là que je vais dire un peu pour ne pas être président. Moi, Fode Diakité, jamais plus grands amis, je ne dirai pas ça. Demain, je peux voter à un peu. Moi, 2010, j'ai voté pour Seloudal Diallo. Pour le deuxième tour. Tout le monde sait. Moi, Fode Diakité, j'ai voté pour Seloudal. Si vous ne voulez pas que Seloudal soit président 2010, je ne peux pas voter pour Seloudal. Je vais dire en haute voix. Tout le monde va entendre. Mais Seloudal ne sera jamais président en Guinée. Ça, c'est fini. Si vous voulez vous récoltez milliards de milliards, vous donnez, c'est que vous êtes en train de perdre votre temps et votre argent et votre énergie. Mais je ne serai jamais président en Guinée. C'est un technocrate, c'est un intellectuel. Il a de l'argent, il a gagné beaucoup d'argent, il a détourné beaucoup d'argent aux aides du gouvernement guinéen. C'est vrai, mais Selou n'a pas né pour être président. Seloudal n'a pas né pour être président. Dans Kamal Fembidi, Koudoye, Mouni Sourola Lekafu, Alabra Menda Menkamafa et Kemenedi. Selou n'a jamais été président, il ne sera jamais président. Je ne suis pas Dieu, mon frère, monsieur Alpha Bari. Je ne suis pas Dieu. Mais le guide yarata nemune le munne kono guide no andi le munne weldo si a douti bidoma ko bidoma ko yidu da bidoma ko yidu da bidoma awawa yonnu de motori awada ka hundu ko kono wawata wadu de yo bidoma awata modan de motori halu nanu pula ruanga lango awawa ko doutu da ko wallu da o ko wallu da ela giselo heda wallu dem ko fiyo wono president kono se tayi kanko ala on courage don kanko ala on détermination don kanko ala on don bende ko wallu damo ko wallu damo wonata president ko a wallay mo hanno kungo kono si hewti nokungo ko kanko hana fejjude on point don so bundugo no ton ko kanko hana fejjude don so fejjali don awa wata fejjinde mo don. Dundon, yo labana jamanfo. Ko bambuda. Non, monsieur Alpha Bari, je vais censer le thème. Mais il faut qu'on se dise la vérité.
Parce que ils ont commencé de faire la diffamation des cratères contre ma personne. Ils ont commencé de falsifier, de faire les faux montages à mon vidéo. Couper tronçon par tronçon. Ce que moi j'ai dit, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de publier. Ça, c'est extrêmement dangereux. Je peux même porter plainte contre certaines personnes, ça, parce qu'ils sont en train de faire la excitation les uns contre ma personne pour que les enfants vont s'en prendre à ma personne. Pour que les enfants vont m'attaquer. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est pas travail de incroyable. Si tu vas écouter les vidéos de quelqu'un, ils vont écouter l'intégralité. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il voulait? Il n'a pas dit. Ils pensaient que ceux qui sont en train de couper mon vidéo, tronçon par tronçon, ils pensaient qu'ils vont pousser la communauté Peul contre ma personne. Ils sont trompés. Ils n'ont qu'à se tromper. Aucune Peul va s'attaquer à ma personne. Ça, c'est très clair et net. Même si c'est commencé aujourd'hui jusqu'à demain, aucune communauté Peul qui va venir s'attaquer à ma personne. Je sais ça. Je suis sûr et certain de ça parce que c'est nous qui avons grandi ensemble. C'est mes amis. C'est ma famille. La communauté Peul. Même si on commence aujourd'hui jusqu'à demain, j'ai attaqué la communauté Peul aujourd'hui jusqu'à demain. Aucune communauté Peul, aucune Peul va venir s'attaquer à moi. Même si il est sous, même s'il a bu cette bière ou bien 8 bouteilles de bière, il n'a qu'à venir. Je suis Diakankina, il n'a qu'à venir de me trouver. C'est moi Fode qui a dit. C'est moi Fode qui a dit. Si vous n'avez pas croix, on va voir. Aucune peine. Vous voulez pousser la communauté peine. Ils n'ont qu'à s'attaquer à ma personne. Poussez les communautés peul. Prends ces vidéos, vous envoyez à n'importe quel peul du monde. Vous dites que c'est Fode Diakité qui a dit. Demain, si vous voulez me marier avec une femme peul, demain je vais aller se me marier avec ma une femme peul. Ils vont me donner en mariage encore. Parce que je suis ses frères. Je suis votre frère. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Si je dois faire une affaire, ou bien un travail, ou une affaire, si, que ce soit économiquement, soit d'autres choses, on va le faire sans aucun doute. Ou bien si ça a un problème social, culturel, tous les peuples vont venir assister. Il n'y aura pas de problème. Je ne souhaitais pas, si ça a des encore, ça va être la même chose. Socialement, culturellement, politiquement, religieusement. Donc, raison pour laquelle je vais parler, si vous voulez, parce que vous êtes champion de couper des vidéos, couper cette vidéo, si vous coupez les vidéos, vous êtes en train de provoquer des problèmes. Je veux que si vous prenez mon vidéo, prenez mon vidéo intégralité. Vous avez plein de droits de prendre mon vidéo, parce que la vidéo se trouve en public. Il n'y a pas de problème. C'est une vidéo publique. Je vais en public, c'est une vidéo publique. Mais pas inciter les gens contre ma personne. Non, c'est ça que je ne suis pas d'accord. Tchernoba, c'est un nouveau cas la foule, mais vous, un nouveau cas la dépôt. Aïrou, mais foule, mais on a un dard de l'ando. Hakuna n'y a la vie. Et si nous, il ne veut pas la vie, il ne veut pas la vie. Mais alors, mais on a un autre hand. Je vais vous dire quelque chose. Maintenant, quand on est tout bas, mais halata une de fula musujo parce que comme était demi de tête de navire mais 2000 mais vous dites que habu de pire de full bébé et tout bas fi ka komu gol ya gol nanga lidje ka didere full bébé ini ko tombe yar na tandiam e nay mabbe di ne o ko dir ye mabbe fula musu be jombu de ka galle amé kamé baba mabbe woni lando full bébé on wattu do on do yahi ka galle baba mako wani ono fulbe o yinni ko setane ono ono fulbe o yinni o accata fi Allah o accata fi annabi wani kala pullo tawime ka ame tuba men pe mo ha obu ka tuba wallahi ko fulamu su hale dundo galle baba mako apre baba mako yinni e nene o hay goto buata ka tuba
kubaba mabua ikatuba mako ni joni mendawe mewanda ya hakile o joni membilasi ongere ya hali yeso wala bai onda ya hali yeso kondo ngono dunda ya hali yeso joni no sitayi bedo ha kwe inni be inna be wada i fulbe be pusa i hora mi woli ko mi wola tako joni no yobe nabu jet odo be yel be naba nokel jidin kala kala lenyo lo pullo woni yo be nabo ko fo de jakiti woni on do anon dara sita i fulbe be ataka ila pullo goto ataka tala ndo hay si mi woli ko buri ko mi woli doko pullo ataka tala be inne fo de no wasne de kono e odo ko mesi bari wi o ko mi racist kanko wobbe go ko mesi bari mi wole inde parce que minne mesi bari medo yewta medo andi wobbe go kadi woli kono ko mesi bari mi ataka do parce que ko inde makko mi wole do be inni o comme régionaliser o comme raciste comme duma joni albarka modo si tayi comme raciste kadi si c'était raciste ou bien c'est mais c'est bari a dit que quelque chose est régionalisé aussi moi faut de jakité le centre de santé de Tanene je suis l'une des personnes qui a contribué pour la construction des centres de santé à Tanene je ne suis pas de Diberka il y a des projets ici c'est faut de jakité qui a construit ça comme des centres de santé italiennes. C'est Fodi Diakité qui a fait désinfecter. Je fais les pompes. J'ai pompé tous les hôpitaux régionaux de Kindia. En plusieurs reprises. Pour désinfecter là-bas, pour les moustiques et les cafards, pour que les gens qui sont malades, ils vont dormir là-bas tranquillement. Fodi, si ceci est régionalisé, vous êtes en train de parler n'importe quoi, ce que vous ne connaissez pas. Si vous ne maîtrisez pas quelque chose, il ne faut pas parler. Si vous ne connaissez pas quelque chose, il ne faut pas parler. Mais oubliez que Serlo Dalle va être président. Oubliez ça. Je t'en prie. Oubliez ça. Vous allez rentrer de perdre votre temps. Serlo Dalle, depuis les gens qui sont été emprisonnés aussi, Serlo Dalle, c'est un complice d'Alpha Condé. Serlo Dalle, c'est vraiment, je ne sais pas comment je vais le qualifier. C'est un traître. Hein? C'est Loudal, c'est un traître. C'est un complice d'Alpha Condé. Je vais vous dire aujourd'hui, vous allez être d'accord ou pas. Depuis qu'ils ont fait l'arrestation, différents acteurs politiques de la Guinée, depuis qu'ils sont dans les prisons, c'est Loudal est parti combien de fois pour aller visiter ses prisonniers? Hein? C'est Loudal a fait quelle démarche réellement, en public ou bien en secret? Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Est-ce que ce que le monde entier va se concentrer la Guinée en disant que celle a fait une action pour qu'ils n'ont qu'à libérer ses prisonniers. C'est pas pour aller faire quelque chose à courir. Le monde porte quand les tu sais un politicien sait qu'il est peur quand il y a des caméras, quand il y a beaucoup de télévisions se concentrer à la Guinée, ça va trembler Alpha Condé. Est-ce que vous avez organisé une seule jour une manifestation pour la libération de ces prisonniers? Celle-là a fait quoi? Il s'est autoconfiné dans sa maison. Il dit que, voilà, comme je suis encerclé, c'est moi, je ne veux pas sortir, j'ai besoin de sortir pour porter ma victoire. Quelle victoire! Ah, de Rumata Hunta, de Haïsa Hunta, de Nimo Akitaï. Kono Dundo Wawaï, Lamode. Kono Lamaï, Kono Wawaï, Lamode. Donc, tu as vu des problèmes, mes frères. Si on va là, il n'est qu'à la kofalo don. Kono, mi, o wawata wadudu de la minfode et full bébé. Si, o do tcherno balui o katala debo, tcherno bal si minangion, o kaila debo forcé. Dundo yo labango, tcherno bal. Tcherno ba, ko alwi ade, o katala debo flamusu. Flamusu, ono reo de flamusu, ndaro de lambe, bandira dambe, mi do fala jombo de dimu fulu. Dimo baire cherno ba wi o katala onon on hido fala la min kadi bi do fala o joni non c'est ayi metimo yo wadu goddungo c'est tout voilà joni non e kala fala yi eutude eno do numéro téléphone jette numéro noddé là si on fala participe de ou bien winda do appel moi je vais chercher votre nom dans la liste si vous voulez intervenir cherno ba adjabi adjabal mi hebay debbo fulamso ça je vous dis Billah wallahi si mi hande jangum yaay n'importe quel dans n'importe quelle famille
Kabolo ndakala kabiari kafulu bebe okaila bebe mabe. Onkutare Allah hakuneme nyefulu bebe.